Histoire pour les oreilles. C'est les vacances et il fait très chaud. Margot et Lucas jouent dans le jardin, entre la piscine et le trampoline. Tout à coup, Margot se met à courir en criant à Lucas. Tu peux pas m'attraper, tu peux pas m'attraper, la 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 mer. Tu vas voir, je suis le loup et je vais te manger. Et Lucas se lance à la poursuite de Margot. Il faudra courir plus vite, monsieur le loup. Attends voir si je t'attrape. Et il court de plus belle dans toutes les pièces de la maison et sur la terrasse. Lucas n'arrive pas à rattraper Margot. Alors il a une idée. Il va changer les règles du jeu. Margot, Margot, on change les règles. Pour gagner, je ne dois plus te toucher avec les mains, mais avec une pantoufle. Non, c'est trop facile. Tu dis ça parce que je cours plus vite que toi, petit tricheur. On continue comme avant. Lucas, qui ne l'a pas écouté, attrape une pantoufle de maman et la lance vers Margot. Patatras ! Catastrophe ! Lucas n'a pas beaucoup réfléchi, il a mal visé. La pantoufle arrive sur le vase de fleurs, sur la table du salon, et paf ! Le vase tombe sur la table, roule par terre et se casse en mille morceaux. Les roses qui étaient dans le vase sont toutes éparpillées et surtout, surtout, il y a de l'eau partout sur le tapis. Lucas, tu as cassé le vase préféré de maman. On va drôlement se faire gronder. J'ai une idée. J'ai un tube de colle dans ma trousse. On va recoller le vase avant que maman voie ça. Va chercher une éponge pour enlever l'eau. Moi, je m'occupe du vase. Non, Margot, on n'a pas le temps. Ramassons tous les morceaux et elle n'en saura rien. Trop tard. Maman, qui était dans la cuisine, a tout entendu. Qu'est-ce qui se passe ? Demande maman en entrant dans le salon. Margot et Lucas sont tout rouges et ne disent rien. Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce que c'est que tous ces débris sur le tapis ? Qui est-ce qui a cassé mon joli vase ? C'est lui ! Il a lancé une pantoufle dessus ! Même pas vrai ! C'est elle qui m'a demandé de la toucher ! Oui, mais pas avec une pantoufle ! Mais elle m'a obligé à le faire, elle courait trop vite. Ça suffit, dit maman. Qui de vous deux a cassé le vase ? Lucas s'approche finalement, tout penaud. C'est moi, maman. J'ai voulu lancer la pantoufle pour toucher Margot et j'ai cassé le vase. Mais je l'ai pas fait exprès, tu sais. Je suis vraiment désolée. Margot s'approche, elle aussi. C'est aussi ma faute, maman. On jouait tous les deux, et puis je l'ai provoqué. Vous savez que je suis triste et en colère. C'est un vase que j'aime beaucoup. Et il ne serait pas cassé si vous aviez joué calmement. Mais vous avez dit la vérité. Je suis fière de vous. Si personne ne peut réparer le vase, vous pouvez toujours réparer votre erreur. C'est promis, maman. Nous ferons plus attention quand nous jouerons. Nous allons réparer notre bêtise. Margot, va chercher le balai et la balayette. Je m'occupe de faire sécher le tapis et la pantoufle. N'empêche que j'en connais deux qui, pendant qu'ils faisaient le ménage, se retenaient de rigoler.